Comment recharger son compte WeUnlock.com avec Binance? Donc, ce que je vais faire, on va venir tout simplement dans Dashboard. Une fois ici, alors, on va aller dans Add Credit. Et ici, on va entrer la somme. Bon, moi, je vais mettre 100$. Et puis, je vais sélectionner ceci. Et là, on peut voir, on peut payer par crypto-monnaie, Binance ou encore par d'autres wallets. Donc, on va maintenant appuyer sur Add Funds. Une fois ici, on va sélectionner le réseau. Là, je vais prendre BEP20 et puis Add Fund. Voilà, ici, on appuie sur Continuer. Sélectionner notre wallet. Donc, je vais sélectionner Binance. Il sera question pour moi de copier ceci. Je me rassure que l'adresse que je vais copier, j'appuie là pour copier l'adresse. Donc, notre adresse a fini avec F9. Donc, c'est bel et bien l'adresse. On va maintenant aller dans l'application Binance. Une fois dans Binance, on va aller dans Assets. Une fois dans Assets, on va aller dans Spot. Et une fois dans Spot, voici les USDT que j'ai. Donc, je vais sélectionner ça. Et ici, je vais venir dans Retrait. Une fois dans Retrait, je vais sélectionner via le réseau crypto. Et une fois ici, je vais coller l'adresse. Je vais retourner ici et je me rassure bien, je copie ceci. Avec la somme, c'est 101$ avec les frais. Donc, je sélectionne d'abord le réseau. Et puis ici, je vais entrer la somme. Donc, je vais coller la somme. Une fois là, je vais tout simplement valider le retrait. Une fois la transaction terminée, alors on va retourner dans notre compte. Et là, on va aller dans Dashboard. Et normalement, nous devons voir le nombre de crédits. Alors, comme vous pouvez voir, la balance a changé. Nous avons 100$ maintenant. Et si le crédit n'arrive pas automatiquement, alors ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez retourner dans Binance. Une fois dans Binance, vous allez aller dans USDT et là, vous allez voir la dernière transaction que vous avez fait. Vous faites juste la capture de la transaction. Et puis, vous allez retourner sur le site. Une fois sur le site, vous allez descendre tout en bas. Et ici, vous allez écrire à ce numéro WhatsApp directement. Ici, vous allez tout simplement envoyer votre email et vous allez dire que le paiement a été effectué plus la capture d'écran. En tout cas, allez maintenant et recharger votre compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo.